Donc rando terminé, je dois rentrer seul. Je suis tombé et je me suis un peu vrillé la colonne vertébrale, quoi, en fait. J'ai un peu mal au rein et donc j'ai dû abandonner mes amis et je rentre tout seul. Je suis un peu dépité, quoi, parce que c'était une rando vraiment sympathique avec des gars très sympathiques. Et le coin est magnifique, hein. On est à l'étoile ici. Et c'est vraiment dommage que je doive rentrer comme ça. Journée un petit peu gâchée, malheureusement, quoi. Mais ça fait partie des... Ça fait partie des péripéties du vététiste, quoi, en fait. Parfois, une simple petite chute de rien du tout, ben, ça peut entraîner des gros problèmes, en fait, des gros problèmes. Des problèmes qui font que vous ne pouvez pas continuer, quoi. Parce que dans mes descentes, j'avais vraiment des douleurs. Donc voilà, je rentre tout seul. Olaf m'a indiqué le chemin à prendre. Là, on se sent un peu seul au monde, quoi, en fait. Il n'y a vraiment personne. Et on va essayer de rentrer tout doucement, quoi. En plus, il y a des montées assez hard. Donc, si vous cumulez les montées hard plus les reins qui vont faire mal, ça devient quand même une épreuve. Ouais, ça devient quand même une épreuve assez dure. Voilà comment une rando qui s'annonçait super sympa se convertit en une rando qui devient pénible. C'est vraiment dommage parce que le site est magnifique. Voilà, je commence vraiment à avoir le dos en compote, en fait. Je pense que là, si j'avais eu un vélo tout suspendu, ça aurait un petit peu amorti les chocs au niveau de mes reins, quoi. Ah, c'est vraiment de plus en plus dur. Mais je suis vraiment dégoûté, quoi. Je suis vraiment dégoûté de devoir rentrer. J'espère que je ne me trompe pas de chemin. Parce que vraiment, là... Je suis un peu perdu, quoi. Bon, là j'ai pris un chemin, je sais pas si c'est vraiment celui-ci. Je marche un peu à l'aveugle là, en fait. Je me souviens plus très bien le chemin qu'on a pris au départ, comme quoi il faut toujours regarder un petit peu quand même. On verra bien, je continue tout droit et on verra bien. De toute façon, on dit que tous les chemins mènent à Rome, mais c'est pas forcément vrai tout le temps. Oh, à chaque bosse, ça fait mal. Ah, je suis vraiment pas sûr de mon chemin là. Je suis vraiment pas sûr de mon chemin. Ah, c'est un peu un labyrinthe en fait. C'est plein de chemins de partout, quoi. Et puis c'est un domaine qui est vraiment immense. Ah, je vois des bigs là, mais. Ah, putain, ça fait mal. Ça fait mal. Ah. En plus, ça tue bien avec les caillasses. Ah, je suis pas passé. Ah, ouais, je sais pas où je suis là. Ah, c'est pas le bon chemin. Oh là là. Je savais que j'allais me tromper. Je le sentais arriver. Puis alors, ça bouge bien, quoi. Ah putain, je sais pas où je suis. Aïe aïe. Mauvais dimanche. Mauvais dimanche. Je vois des panneaux jaunes. Je sais pas ce que ça indique en fait.
J'espère que c'est une voie. Putain, j'ai la totale, je suis perdu, j'ai mal aux reins. Je vois vraiment pas où je suis, quoi. Bon, apparemment, c'est un cul-de-sac. Ah, je sais pas où je suis. Là, je vais vraiment au hasard. On verra bien. Si encore j'avais pas ce dos qui me fait mal, ça serait pas trop mal, mais... J'aime pas partir comme ça, l'aveuglette. En sachant que je suis diminué, quoi. Putain, mais en plus, j'ai aucun repère. Aucun repère. Ah, j'aime pas ça. Ah, j'espère voir un DFCI le plus vite possible, ça serait pas mal. Ouais, là je vois déjà un ranch, c'est pas mal, mais ce ranch, je sais pas du tout où il est, quoi. Je sais pas du tout où je suis. J'espère que c'est la bonne route. C'est vraiment une galère quand on connaît pas, quoi. Bon, mais ça continue à monter, hein. Quand on est à l'étoile, c'est démonté. Selon la position, comme je suis, j'ai les reins qui me font un peu moins mal, mais c'est chaud quand même. Il suffit qu'il y ait un peu de cabosse et ça vous réveille la douleur, quoi. Oh. Ah, je sais pas où je suis, c'est une galère complète, quoi. Bon, je vais aller sur la gauche, on verra bien. Ah, ça tue. Ah, là j'ai vu vraiment au hasard, quoi, j'ai vu un chemin sur la gauche, mais... Je pense qu'il faut aller sur la droite de toute façon. Olaf m'a indiqué qu'il fallait toujours aller sur la droite, quoi qu'il arrive. Donc on va sur la droite. Le problème, c'est que je vois vraiment aucune lueur de quoi que ce soit, d'un chemin qui pourrait me ramener à la voiture, quoi. Parce que c'est pas du tout ce chemin qu'on a pris au début. C'est galère. Bon, j'ai la sensation de tourner en rond, en fait. Je vais à droite, je vais à gauche. C'est un chemin qui serpente. J'ai l'impression que je fais un peu du surplace, quoi. Ah, déjà au niveau de la route, c'est un peu mieux, quoi, pour mes reins. Mais en fait, je vais toujours à l'aveugle. Bon, je sais vraiment pas où je suis complètement perdu, paumé. De toute façon, j'ai pas le choix, je continue sur ce chemin, quoi. J'ai vraiment pas le choix. On dirait qu'il y a eu un cataclysme ici, je sais pas ce qui s'est passé. C'est plein d'arbres fracassés de partout, quoi. Là, je sais vraiment pas où je vais tomber, quoi. Et alors, c'est des chemins absolument interminables. On a l'impression qu'il y a pas de fin, quoi, en fait. Heureusement, j'ai mes reins qui me font un petit peu moins mal.
Ah, c'est interminable, il n'y a pas de bout à ce chemin, c'est pas possible. C'est un truc de fou, quoi. Je sais pas où je vais me retrouver là, en fait, mais très loin de ma voiture, ça j'en suis sûr. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai quasiment plus d'eau, quoi. Chaque fois, je me dis au bout du chemin, il va y avoir une solution, mais il n'y a pas de solution, ça continue toujours et encore. Putain, je sais pas où je suis, c'est fou, quoi. Ah putain, ça relance. Ah là, c'est dur. Ah, ça fait très mal. Ah putain, c'est dur. Ah, et dès que ça bouge un peu, ça fait mal. Ok. Ah ouais, je sais, je vois où je suis, oh là là. C'est catastrophique par là où je suis passé, quoi. Je suis vraiment très loin de ma voiture. Très loin de ma voiture. Ok. Voilà quelques jolies couleurs d'automne. Vous voyez, c'est un orange très vif, c'est très joli, quoi. Pour clôturer cette journée qui n'est pas forcément très agréable.